Jens, bonsoir. Le thème qui est d'aujourd'hui, donc comment trouver son look pour mieux séduire. Ah, bonjour Ben, Salut. comment Ça vas-tu? va très très bien et toi? Très 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 bien, il fait tout aussi chaud chez toi que chez Ben, nous. moi je suis dans le sud-ouest de la France donc ici à cette heure-ci à 20h je crois qu'on a encore je crois 30 degrés je crois. Quand même, Ouais, quand même, quand c'est même. mortel franchement il fait très très chaud. D'ailleurs les enfants sont encore dans l'eau donc Ah, il y en a certains qui ont la chance d'être dans l'eau. ouais. C'est Je veux dire, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. Voilà, un de mes frères vit ici dans le sud. Et donc, voilà, ça facilite voilà, pour les vacances. Ouais, C'est un plus, je dois l'admettre. C'est vraiment sympa. Ouais. Franchement, ouais. non, C'est les vacances qui je pense comptent. qu'on devrait tous avoir des piscines chez nous. C'est quelque chose qui pourrait vraiment faire la paix entre nous tous. Oui, tout à fait. Mais Bah, je te suis à 100%. Mais c'est vrai que on a beaucoup de chance et bon ben voilà, on essaie d'en profiter. C'est vraiment sympa, oui. Franchement, parce que c'est pas donné à tout le monde, mais c'est vraiment sympa, franchement. c'est le cas, c'est le cas. Mais je suis bien heureux que tu puisses au moins bah, justement te détacher de ta famille vu que tu es en vacances et tout. C'est un honneur pour Ouais. nous justement de pouvoir Non, t'accueillir lors de le plus honoré, c'est moi, franchement, d'avoir cette ce tribune. C'est vraiment sympa. C'est toujours excitant et franchement, c'est moi qui suis honoré. Je vous remercie d'avance parce que franchement, je ne m'y attendais pas, mais c'est vraiment sympa. Et bon, moi, je pense que le partage est vraiment quelque chose de hyper important dans tout ce qu'on fait dans la vie. Je pourrais juste te présenter. Présenter. Alors, je m'appelle Benito Mbouyi et donc je suis d'origine congolaise, mais vivant en Belgique depuis près d'une trentaine d'années maintenant. Donc voilà. Et en fait, j'ai commencé par être commercial. Tout d'abord, D'accord. j'ai été d'abord agent immobilier. Tout d'abord. Ok, Et parfait. puis voilà, bon, j'ai fait des études de communication. Et puis, donc au départ, je voulais être journaliste sportif, mais bon, certains cours et moi, ça faisait deux. Donc, voilà, j'ai été agent immobilier. Suite à bon, des petits problèmes d'agence, voilà, je me suis réorienté. Il y avait un poste à pourvoir dans une concession Xerox, donc c'est des sociétés qui vendent des photocopieurs. Et donc, je suis OK. rentré chez eux en 2008 et j'ai été pendant à peu près presque 12 ans agent commercial à vendre des photocopieurs. Quand même, pas mal du Ah, tout. ouais. Mais donc une journée type de Ben, comment ça se Bah, passe? Même comment tu en es arrivé là? en fait, il faut remonter très tôt parce qu'en fait, j'ai fait beaucoup de hip-hop petit. Ok. Voilà, donc moi, je viens vraiment de la culture hip-hop. Mes frères étaient breakers, j'ai été un peu breaker. Et donc, voilà, et en fait, quand on avait des concours de danse, bah, on allait s'habiller chez Footlocker, on descendait Galerie Agora, on prenait tout ce que vous pouvez trouver, enfin, les maillots NBA, voilà, on était fan des Chicago Bulls, donc j'avais les casquettes des Lakers, donc vraiment, tu vas voir par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui. Et déjà, à cet âge-là, quand on partait entre copains et tout, donc mes copains me disaient déjà, tiens, et j'avais des trainings que j'assortissais déjà, mais je ne me rendais pas forcément compte, c'était vraiment voilà, quelque chose qui me plaisait. J'avais, tu sais, les bandeaux NBA. Tu vois, et Oui, je me souviens très bien. les manchettes et tout. Donc, j'assortissais tout. J'en mettais parfois un bleu, un rouge. Donc, voilà, il y avait du rappel dans mon t-shirt. Et comme ça, mes amis d'époque, quand on se baladait, on arrivait dans les boutiques Galeries Agora, ils me demandaient souvent, tiens, on arrivait chez Footlocker, ils me demandaient, bah, quelle basket je prends? Il y a tout, il y a les Air Force. Moi, je suis un fou des Air Force. Donc, je veux dire, bah, voilà. Déjà, à ce moment-là, je guidais déjà mes amis. Puis en avançant, moi j'ai fait beaucoup de football, j'ai fait de la boxe, puis j'ai commencé à faire du karaté, puis de l'athlétisme. Et ouais, D'accord. donc j'ai fait vraiment D'accord, d'accord, multisport. Mais vraiment le foot, c'est là-dedans où je suis tombé vraiment dans le sport, mon sport favori aujourd'hui. Et j'ai toujours gardé un côté un peu des arts martiaux, voilà, pour rester fit. On va y venir d'accord. plus tard, donc on dit comme ça. Et puis après, j'étais très sportswear, mais large, baggy et tout. Voilà, j'ai bien commencé la culture hip-hop. Bon, ben voilà. Et je vais vraiment arriver sur le point où j'ai complètement changé. C'est-à-dire que je suis arrivé chez des amis, un de mes meilleurs amis qui avait trois sœurs.
Et un jour, on est là, on mange chez eux, puis elles me font, mais tu sais, bon, je joue au foot, donc j'avais des bonnes cuisses, des bonnes fesses. Et elles me disent, ouais, tiens, Benito, tu devrais une fois essayer un Levis 501. Et je dis, ouais, c'est pas mon truc, tu sais, les trucs moulants, machin, bon, voilà, toute la diatribe là-dessus. Je dis, non, non, laisse tomber. Puis elle me dit, essaye-en quand même. Alors, on monte, elle me donne à l'époque, je crois, un 30-32, si je me rappelle bien, hein, ou un 29-32. Et là, je le mets devant le miroir, et elles sont toutes les trois derrière moi, et je vois leurs yeux qui font, qui clignotent comme ça. Les Et grands moi, je dis, pas, les grands qu'est-ce qui se pas. passe ici? Et puis, me font, mais bah, franchement, ça te va super bien et tout. Et puis, moi, je dis, ah, vous trouvez? Elles me font, bah ouais, fait tes cuisses et tout. Puis, et alors, elle me dit, tiens, je te le donne. Et voilà, tu en fais ce que tu veux et tout. Moi, je rentre, puis un soir, je le mets, je me dis, tiens, pas mal, franchement. Puis, autour de moi, on me dit, waouh, Benito, il y a quelque chose de changé et tout. Puis, petit à petit, je prends mon deuxième 501, troisième. Et j'abandonne les baggies, et puis je prends un t-shirt plus serrant. Plus... Donc j'avance comme ça, comme ça, comme ça. Puis là, après les études, j'allais dans un milieu un peu plus, on va dire très clairement, plus péteux. Tu vois, un peu plus, voilà. Mais c'est une époque où tu te cherches. Tu quittes le hip-hop, puis tu arrives un peu chippie, chevignon. Voilà, puis après Ralph Lauren arrive. Voilà, je suis tout La ce que... transition est dure Voilà, parfois. tout le cursus arrive comme ça. Et puis je me dis, bah tiens, c'est pas mal, les polos. Et puis j'aimais bien Eric Cantona. Donc, et voilà, d'où mon col relevé. Souvent, on me Avec demande, le col levé comme ça. voilà, c'est pour ça que voilà, ça vient de là. C'est parce qu'au foot, quand on jouait, on était tellement fan de Cantona quand il était à Manchester qu'il levait tout le temps son col. C'est un des premiers joueurs de foot qui a fait ça. Et c'est pour ça que les gens, parfois, sur mon mur, me demandent et ont l'impression que c'est un peu prétentieux. Mais voilà, voilà l'histoire, en fait. Et depuis, bon, bah, j'ai gardé ça, mais ça n'a rien de prétentieux. Et c'est juste, voilà, mon style à moi. Et en fait, si tu veux, donc, je suis rentré dans la fac, et puis l'école, et puis, bon, bah, voilà, mon premier job, comme tout le monde, bah, voilà, ça va rejoindre ce qu'on va dire, c'est qu'il fallait me présenter. Il fallait me présenter pour mon premier job, vraiment, et c'était agent immobilier. Donc, bon, là, c'est la base classique, c'est le blazer bleu ou le blazer beige, selon si on a été un peu plus loin. La chemise blanche, le jean ou le chino. Hop, et je me présente, et voilà, et puis ça se passe. Et puis, bon, pour être très honnête, j'ai eu un petit piston, parce que ma sœur connaissait le directeur de l'agence. Et donc, voilà, et de là, donc j'ai réduit mon champ, on va dire, de style. Hein. J'étais très corporate, vu que voilà, il fallait que j'aille accompagner les clients, il fallait que j'aille sur le terrain, il fallait que les clients me voient. Donc, et j'estimais qu'avant de voir un appartement, le client, c'est toi qui vois. Quand il arrive à l'agence, où la première chose que personne voit, c'est toi. Donc, il va te juger les 30 premières secondes, bah, même la voiture avec laquelle tu vas arriver, puis tu descends et il va te regarder. Donc, en fait, une journée type de Benito, je me lève. Déjà, j'apprécie la personne que je suis. C'est hyper important parce que je pense que avant de vouloir s'habiller, il faut savoir qui on est, Miguel. Si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas où on va. Il faut, voilà, c'est tout. C'est même un grand proverbe, Ah ça. oui, non, mais c'est vraiment, c'est hyper important. Homme, femme, si on ne sait pas qui on est, ben c'est pour ça que, bon, ben voilà, il y a différents coachs. Il y a des coachs, on y viendra, des coachs, par exemple, vestimentaires. Mais ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Et donc, on a tous une phase où on se cherche. Et moi, j'ai eu cette phase un peu où j'étais dans le milieu un peu preppy guy, tu vois, le polo, le pull en V et tout ça. Puis après, je me suis dit, bon, bah, c'est très bien, mais ça reste un peu un uniforme, quoi, tu vois. C'est qu'on se retrouvait avec les copains, mais on avait tous le même truc. Puis je me suis dit, bon, bah, il est temps de sortir de là et de trouver ta voie. Et donc, voilà, je me suis vraiment dirigé vers le style italien, donc très près du corps, très napolitain. Et voilà, j'ai atterri là-dedans. On va dire, j'ai déposé mes valises là. Et c'est là que je me sens mieux et aussi qui correspond un peu à qui je suis. Donc, tu vas rire parce que c'est très drôle. J'ai une voiture qui est d'une marque italienne. J'ai deux garçons qui ont deux prénoms italiens. Et la mère des enfants est à moitié italienne et à moitié belge. C'est fou quand même. C'est vraiment une succession. Et je m'appelle Benito en étant congolais. Donc, quelque part. Et C'est écrit. voilà, c'est à mon avis. Et en fait, pour revenir à ta question, c'est que les gens m'ont dit au fur et à mesure que je grandissais, bah, tu devrais conseiller, tu as toujours de bons conseils, éthique, et ça, tu en sortais. Je disais, mais ça, comme ça, comme ça. Mais c'était vraiment quelque chose
qui restaient comme ça, qui me plaisaient, mais genre, je me sentais pas à l'âme de quelqu'un de dire, bah, tiens, toi fais ça comme ça, et ce sera vraiment comme ça que ce sera le mieux. Donc, je donnais des petits conseils comme ça, mais tout le temps, en fait, à mes soeurs, à mes machins, voilà, mes soeurs avant de sortir, quel talon, quel rouge à lèvres et tout. Alors, moi, je disais, mais ça, mais ça, mais ça. Et donc, Ah. j'ai toujours, en fait, cette petite sensibilité au OK. look, au style et aussi aux personnalités des gens, parce que tu ne peux pas. C'est indissociable. C'est indissociable. Bon, on va en revenir après, hein, Voilà. concernant la personnalité, le style Voilà, et donc tout ce qui moi, s'en suit. une journée d'aujourd'hui, je me lève, je regarde un peu mes comptes, je regarde un peu, voilà, je regarde un peu quel est le look que je vais aborder selon le temps qu'il fait, selon mes envies. Et je vais te donner une petite confidence, je m'inspire énormément de la mode féminine. Faut savoir ça. Si je peux me Dis-moi. permettre, moi, toutes mes baskets, habituellement, c'est toujours des baskets de filles. Je chausse du 41, donc j'ai la chance d'aller dans les deux. Mais les modèles féminins sont tellement plus beaux, tellement plus enfin, Voilà. originaux. Il y a tellement plus de choses que Voilà. je Je voudrais encore dire au designer, enfin, faites des choses pour nous, quoi. Tu vois, je veux dire, là, on a quitté Bordeaux. Tu vois, voilà, il y a les Air Max pour hommes. Puis tu vois, chez la nana, c'est des couleurs d'enfer. Enfin, c'est vraiment. Et donc, j'observe beaucoup, je regarde beaucoup, je regarde beaucoup les comptes féminins, je regarde beaucoup. Je suis très, très, très Internet, très Pinterest, par exemple. Voilà. Et je regarde comme ça ce qu'il y a dans l'air du temps, les femmes, les tendances un peu des femmes et tout. Et voilà, j'organise un peu. Parce que, bon, ayant la peau black, personnellement, on peut pratiquement tout se permettre au niveau des couleurs. Donc, généralement, il y a généralement pas de fashion faux pas quand tu es black. Donc, en général, j'ai tendance à dire que plus tu es black, plus tu claques. Mais bon, voilà. Mais voilà, une journée type, c'est comme ça. Puis, je regarde, j'aime les accessoires, comme tu l'auras remarqué. C'est très important. Je trouve que ça donne un côté un peu plus sophistiqué et un peu plus accessorisé. Et voilà, c'est ma journée type. Je me lève et voilà, je reçois beaucoup de demandes. Bah, souvent de mes polos, souvent des petites choses comme ça. Donc, j'essaie de répondre. J'essaie aussi j'ai des coachings à distance, par exemple d'Instagrammeuses qui sont surtout OK. en France. Et donc, voilà, ça ressemble à ça. Et bon, j'ai ma clientèle qui me demande, bah, voilà, qu'est-ce que j'ai prévu pour eux. Donc, je choisis leur pantalon, je choisis leur chemise. Et voilà, je fais ça la journée parce que maintenant, c'est vraiment depuis le Covid. Il faut savoir que, bon, moi, je n'ai pas trop de tabou là-dessus. J'ai perdu mon dernier emploi à cause du Covid, dernier OK. arrivé dans la boîte, et j'ai pris ça comme une opportunité. J'ai dit c'est maintenant. C'est maintenant, j'ai décidé de me lancer full corps et âme en tant que conseiller en image. Voilà. On te le souhaite et on te souhaite toute la réussite C'est possible. Ça, tu gentil. peux en être certain. Là, bon, ben, vu que tu es en full time maintenant, est-ce que tu as déjà suffisamment de clients pour faire une certaine différence entre les différents styles de clients qui viennent vers toi? Non, personnellement non. Et puis le Covid, passant par là, donc les clients ne sortaient pas. Alors ce que je fais aussi, bon ben voilà, je fais du personal shopper aussi. Donc OK. j'achète parfois en ligne ou parfois je vais en boutique. Donc mais Ouais. actuellement, donc vraiment, mais là on va dire, ça fait vraiment allez, 3 semaines que je fais ça maintenant. Enfin que j'ai décidé de me lancer et que je mets toute la structure en place. Et tout, donc point de vue, je veux dire, de tout ce qui est TVA, facturation et tout ça. Donc voilà, je dois encore voir, je discute avec des webmasters, des photographes et des petites choses comme ça. Mais voilà, c'est vraiment me lancer à 110%, c'est tout frais. Donc j'ai décidé ça, bah, on va dire le 22 juin, après mon licenciement. Voilà, c'est tombé le 22 juin. Et j'ai dit, bah, j'ai limite même dit merci parce que. En fait, c'est mes pairs, et on va dire peut-être que, allez, j'ai quand même une certaine confiance en moi, mais peut-être que quand les gens me le disaient, bah, je leur disais, bah, tu parlais du cursus, j'ai pas fait d'école, par exemple. Il y a deux écoles dédiées à ça à Bruxelles, mais moi, j'ai pas fait ces écoles-là. Et c'est vrai que mon ancien patron, vraiment de mon job chez Xerox pendant 12 ans, c'est lui qui a été mon premier client. Et c'est lui qui m'a OK. dit, tu dois faire ça. Parce que moi, je regarde un peu, je lui dis, mais écoute, enfin, je sais pas, il y a des codes à avoir. Il me dit, tu as une vision. Il m'a dit, ma femme, quand j'ai commencé avec toi, a cru que j'avais une maîtresse. Je lui dis, tu ris. Il me dit, non, non. Elle est arrivée, elle me dit, c'est quoi ce changement? Enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Et sa femme, je l'ai rencontrée, elle m'a dit, mais waouh, comment t'as fait ça? Qu'est-ce que t'as vu? Je lui dis, ben voilà,
C'est en moi. C'est en moi, c'est une passion, c'est quelque chose. Et ça part toujours dans un but précis. C'est de que la personne se trouve, qu'elle se sente bien, qu'elle s'apprécie. En fait, il y a toujours un côté happiness, rendre la personne heureuse dans ses vêtements, dans son corps, dans son esprit. Donc, il y a tout un cheminement. Le vêtement n'est rien tant que tu n'es pas dedans. Il ne faut pas rêver. Ah oui, j'ai eu des clients très aisés avec qui on a fait des blazers à 1200, 2000 euros, qui étaient là devant, qui étaient contents parce que c'était telle marque et qu'ils étaient contents et qu'ils allaient manger. Je dis non, 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 c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je dis toujours aux femmes, quand vous vous baladez, vous voyez les robes Valentino et tout, vous devez vous dire, ça doit être la robe qui vous dit viens. C'est pas. Et donc, essayez tout. Tout ce que vous voyez, pas, vous savez, tu sais, les gens, ils prennent le cintre, là, ils les mettent comme ça. Ils disent, ouais, je sais pas. Non, essayez tout. Si vous êtes sorti et que vous avez mis un pied dans un Zara, c'est qu'il y avait une idée. C'est qu'il y a une idée. S'il y a une idée, c'est d'acheter quelque chose, à la limite, si on tombe sur quelque chose qui nous plaît. Donc, il faut essayer, parce que sinon, et souvent, les femmes, elles achètent par dépit. C'est-à-dire que finalement, elles trouvent rien. Et elles prennent un top ou un pull, elles rentrent à la maison, il y en a 10. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est hyper important. Mais ça va toujours dans un cheminement pour que les gens soient bien, se sentent bien dans leur peau. Je ne fais pas du copier-coller. Tu sais, quelqu'un qui dit bah, j'ai vu Miguel avec une super belle veste. Je dis bah oui, mais Miguel, c'est Miguel. Toi, ok, bon, si elle te va, tant mieux, mais voilà, tu la veux parce que voilà. Et c'est un peu avec ça qu'il faut jouer, mais. Il faut savoir qui on est. Et il y a d'abord en fait un travail psychologique qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un entretien qui se fait avant, d'une heure et demie, une bouffe, quelque chose comme ça. Et là, je discute avec la personne. Et j'essaie de savoir pourquoi elle veut changer, qu'est-ce qui la pousse à changer, est-ce que voilà, c'est pour la séduction, c'est pour un travail, c'est pour se reconstruire, c'est pour. Il y a eu une rupture. Voilà. Donc, c'est vraiment tous les points. Et je note, je regarde le visage, je regarde les cheveux, je regarde. Le corps, je demande, voilà, je demande aussi quels sont leurs parcours, quels sont les magasins de prédilection. Et donc, je note tout ça et j'essaye vraiment de, sur un rendez-vous d'une heure et demie, de savoir un peu plus sur la personne, qu'elle se dévoile, qu'elle se lâche un peu. Et en fonction de ce que du ressenti, de ce qu'elle m'a dit, eh ben là, j'avance, je rentre et j'essaye de faire tout un travail sur ce que la personne m'a donné à ce moment-là. Et on avance comme ça, en fait. Ok, en fait, le changement, tout ce changement, c'est un peu comme la création d'un business. Donc, on essaie de réellement poser les bases, comprendre les envies de chacun. Exactement. Et Exactement. c'est vraiment C'est aller étape par étape, hein. exactement. Il y a toujours un entretien. Il y a toujours un entretien pour qu'on se voit. Je vois la personne physiquement, son morpho visage, sa morpho silhouette, ses cheveux, je veux dire, les sourcils, son teint. C'est hyper important. Et donc, de là, et puis, une fois que ça s'est fait, on discute. Pourquoi on veut s'habiller? Pourquoi est-ce qu'on a envie de ne plus être la personne qu'on était? Parce que c'est une recherche, en fait. C'est une recherche de ce qu'on appelle le moi intérieur, qui pour moi sommeille chez tout le monde et que certains trouvent dans le gothique, certains trouvent dans le rock, certains trouvent vraiment. C'est bon, mais tout est lié à sa personnalité. Tout, 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 tout. Je veux dire, les gens qui font du copier-coller, eh ben, dans la vie, c'est compliqué parce que chaque fois, tu te cherches. Tu changes de job, tu changes de coiffure, tu changes de teinture, tu changes. Et voilà. Et une fois qu'on a trouvé un peu qui on est, moi, je parle d'un principe tout simple. J'essaie de dire aux gens, aimez-vous d'abord parce que je pense qu'avant de s'aimer, avant d'aimer les autres, il faut d'abord s'aimer. Et je pense que quand Totalement. on s'aime, mais vraiment, il y a une dissociation entre s'aimer, s'apprécier et être narcissique. C'est vraiment, vraiment trois choses différentes. Et je pense que quand on s'apprécie, ben, je pense que ça ressort. En fait, quand on trouve son style, hein, en fait, tout ce qui est en nous, qui était en nous, eh ben, tu le refais jaillir dans tes vêtements, en fait. Sûr, hein? Voilà. Bien sûr, bien sûr. On C'est. projette toujours ce qu'on aime à travers les vêtements ou à travers notre manière Tout à d'agir. fait. Tu sais, le Je me style, hein, permets juste. et l'élégance et le raffinement, c'est tellement vaste parce que le style n'est pas que vestimentaire.
Parce que voilà, ça va dans tes manières, ça va dans ta façon d'aborder les gens, d'être en accord avec toi-même, de marcher, vraiment, c'est vraiment toutes des petites choses qui. Mais une fois que tu as trouvé et que tu sais coordonner et tout mettre ensemble, un petit puzzle et tout, eh ben, je pense que les choses deviennent plus C'est faciles, même dans la séduction, en fait. Parce que, bon, ouais. on peut dire ce qu'on veut, hein. Je pense que le premier rencard a été fait, donc quand tu vas aller voir la personne. Et donc, c'est quand tu vas arriver à ton date que moi, j'appelle ça l'impact. Il faut que la personne, quand elle te voit, arriver, elle fasse, j'ai bien fait de prendre ce rendez-vous. Ah, excellent. Voilà, Excellent, excellent. tu arrives ou elle arrive, tu vas voir et tu dis, j'ai bien fait d'être à ce rendez-vous. C'est tout. Et la manière de s'habiller, parce que tout le monde le fait, quand on marche dans la rue, quand on regarde quelqu'un, c'est instinctivement, c'est nos yeux qui. On regarde avec nos yeux. Donc, fatalement, on regarde la manière de s'habiller. Une femme, on va regarder. Tu sais, tu marches dans un corridor ou dans une galerie, tu entends des talons dans ton dos, les hommes se retournent. Tu te retournes. Se retournent. Ils se retournent. Si elle est en basket, bon, à la limite, c'est quand elle va passer que tu vas regarder. Mais on se retourne. Donc, ce n'est même pas une question. Beaucoup de femmes, j'entends, elles ont le physique. Non, c'est même pas une question de physique. C'est instinctif. Tout le monde le fait. Les femmes le font. Les femmes, même quand elles sont entre copines, un petit verre, si un beau mec qui passe, elles vont regarder. S'il y a un mec qui plaît, J'ai une petite. dis-moi. Tu peux juste terminer ta question. Après, j'aurai une petite question qui est quel est le fashion faux pas pour les hommes? Chaussures et ceinture pas assorties. Fashion faux pas. Ne jamais fermer le deuxième bouton. Jamais d'un blazer, s'il vous plaît. Jamais. Blazer, jamais. Jamais. Celui du haut, celui du bas? Celui du bas. On le ferme jamais, Celui du bas. jamais, jamais. Never. Le gilet, pareil. Il n'y a qu'à limite un marié, mais même. On conseille même s'il a une jarretière, c'est. Voilà. Ça, c'est fashion faux pas. Il faut. Alors. Les hommes, évitez tout ce qui est ample. Évitez, évitez, évitez. Même si vous avez du ventre, vous pouvez regarder sur ma page Try Me sur Facebook. J'ai fait des hommes ronds qui avaient un bidou qui arrivait, qui me disait, ouais, mais ça. Et je dis, on va l'épouser. On va l'épouser le bidou. Mais on va attirer l'attention ailleurs. Donc, dans les accessoires, ou la montre, ou la pochette. Mais vraiment, les choses amples, pour moi, c'est faux pas. Direct. Il faut éviter. Donc, pour moi, c'est les trois. Vraiment, c'est la base. Le reste, vraiment, c'est pas. Mais vraiment, chaussures noires, ceinture marron, non. Stop. On rentre. C'est fini, c'est sur le banc de touche. Inversement, chaussures camel, ceinture noire, banc de touche, ça marche pas. Le blazer qui dépasse de 10, non. Voilà, trop long d'en bas, non. Il faut, en fait, bien s'habiller. Hein. C'est juste une corrélation entre. Le physique de quelqu'un et l'harmonie des couleurs. C'est tout. Quelqu'un qui va chercher son pain à la boulangerie avec un beau t-shirt blanc en V, col rond, un short bleu, des belles baskets, qui est frais, il est bien habillé. Hein. Faut pas chercher le costume Hugo Boss ou à la femme une robe Valentino. Ça, on est dans le plus-plus. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans le top du top. Si ça a été fait en plus par un tailleur, bon, là, ok, on est au-dessus, c'est le soleil. Mais je veux dire, sinon. La base, être bien habillé, oui, c'est vraiment la corrélation entre votre physique et les vêtements qui correspondent à qui vous êtes. C'est tout. D'accord, mais en parlant de qui on est, alors comment on pourrait faire pour se démarquer? Alors, l'allure, je vais y venir. Parce que pour moi, L'allure. j'y mets un point, point, point d'honneur dans le style. Il n'y a pas de style sans allure. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de style sans allure. C'est la dynamique. Le changement marqué, c'est par exemple ta manière de marcher, ta manière d'aborder. Par exemple, lors d'un rendez-vous, lors d'un rendez-vous, je prends le cas lors d'un rendez-vous d'un commercial. Un commercial qui vient avec sa sacoche, qui est assis comme ça, qui attend, regarde ses épaules, eh ben, le type il sort, tu as quatre autres mecs comme ça, bien droit en train d'attendre. Celui qui est comme ça, c'est mort. Donc ça s'appelle l'allure, même s'il a un super beau costume. Ça s'appelle l'allure. Donc, toujours les épaules ouvertes, manteau bien droit, regardez au loin. Ça, c'est hyper important, la stature. Alors, il n'y a pas trop décontracté, pas la jambe trop ouverte, la jambe en croix. Et tu attends qu'on vienne te chercher. Voilà. Ça, trop,
Si tu l'ouvres trop, tu n'es pas une terrasse de café, tu viens pour un job. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu attends et voilà. Et surtout, quand vous arrivez, la personne vous fait rentrer dans le bureau, ne jamais s'asseoir le premier. Jamais. Il fait le tour de son bureau et vous restez debout et vous dites, asseyez-vous. Là, tu t'assieds. Ok, c'est vraiment de la C'est de discipline la alors. discipline. Ça doit être vraiment un mécanisme. Et donc, se démarquer, c'est quoi? C'est déjà dans ton look et dans la vie que tu vas mettre dans ton vêtement. Quand tu vas sortir, tu te dis, bon, là, t'as rendez-vous à 7 h avec elle. OK, arrive un peu en avance. Et c'est, arrive frais. Hein, le bon parfum, pas trop, pas trop peu, vraiment. Et ça fait partie d'être un gentleman, c'est-à-dire que c'est l'accueil. La fille doit vraiment se dire, en fait, les femmes, toutes celles qui sont là, elles veulent être en confiance. Elles veulent un mec qui va les mettre en confiance et qui a le lead. Ça en fait ça, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. Faut pas être trop sûr de soi, mais c'est comme ça que tu mets la différence. Déjà, dans ton look, je te dis, quand elle va te regarder, elle va scanner en 30 secondes. Et nous, pareil, la fille, on va scanner. Si n'importe, hein, ceux qui sont là, elle est un peu pas bien apprêtée, dans ta tête, tu te dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, Ouais. voilà. Tandis que si elle est apprêtée, parce qu'elle a fait un effort et tu as fait un effort pour elle. Clairement, Pour elle. clairement. Donc, sans allure, je peux te mettre dans n'importe quel blazer de 7 à 10 000, à 3 000, à 100 €. Je te promets, si tu ne mets pas d'allure, si tu ne mets pas de la vie, si ton pas n'est pas décidé, si tu. C'est mort. Donc, style et allure. Ça peut être. Il y en a qui appellent. Moi, j'appelle ça l'impact. C'est mon mot à moi. C'est-à-dire que je dis, quand on va t'habiller, Miguel, je t'assure, tu vas à un mariage, il y a 50 personnes. À part le marié, après, tout le monde va voir que toi. C'est tout. C'est ça, te démarquer, c'est-à-dire que le costume est ajusté, la chemise est ajustée, la pochette, les chaussures. Non. Généralement, le bleu, les hommes ont peur, ils vont souvent dans du camel ou du noir. Eh ben, tu prends une litre 20, les Bordeaux, avec ceinture. C'est très rare. Beaucoup d'hommes ont oublié ça, par exemple. Le costume bleu, la chaussure litre 20 Bordeaux et la ceinture, pour moi, c'est le top optimal. C'est vraiment le top optimal. Et donc, j'essaie de remettre ça au goût du jour. Et tous ceux à qui j'ai fait ça, ils m'ont dit, ah ben oui, c'est généralement camel, noir ou marron. Mais voilà, c'est comme ça que tu te démarques, avec des petites choses. Et puis, tes bracelets, tes accessoires, un chapeau, je sais pas, un chapeau. Donc, c'est comme ça que tu vas te démarquer des autres, en fait. Et c'est surtout ta stature. Les gens, ils vont te regarder, ils vont dire, waouh, lui, il est arrivé, ça fait 5 minutes. Il est là, quoi. Tu mets ta présence. Une question spirituelle à travers le style Exactement, vestimentaire, voilà, qui apporte exactement. C'est quelque chose vraiment en ta plus. personnalité, tu la fais ressortir dans tes vêtements, en fait. Il ne faut pas espérer que les vêtements te fassent briller. C'est l'inverse, c'est vraiment l'inverse. Quand tu rentres chez toi, que tu as enlevé ton smoking, il te dit à la prochaine, quoi. Ah oui. Celui-là, il faudrait la Ah mais retenir. bien sûr. On va devoir la Ah retenir. bien sûr. On va bien devoir la retenir. Mais dis-moi, là, on a parlé quand même de plein de choses. On a parlé de l'allure, d'avoir un certain équilibre entre la physionomie et la couleur, mais quelles sont les bases que tout homme doit réellement avoir? Alors, Donc, bon, c'est pas donné à tout le monde, mais tu vois, par exemple, moi j'essaye de faire aussi de la psychologie, évidemment, quand je coach. Ah bon. De l'humour. Les femmes adorent l'humour. Il n'y a rien à dire, c'est comme ça. Alors, une certaine forme d'intelligence. On ne te demande pas d'avoir fait maths forte ou sciences fortes, mais une certaine forme d'intelligence pour aussi savoir l'environnement de la personne que tu vas voir et ton environnement à toi. Parce qu'elle va te demander de parler de toi. Pas trop parler de toi et aller dans son univers. Alors, le look, évidemment, une certaine forme de virilité, parce que les femmes se sentent souvent rassurées avec des hommes virils. Alors, bah, du culot, ça peut parfois aussi marcher, tu vois. Sincère, ça peut être des jeux, un jeu, être très, un peu taquin et voir si y a une réciprocité, bah, c'est déjà bon. Si, c'est comme, hein, en fait, si tu veux aussi, il y a la gestuelle.
À partir du moment où tu parles en t'exprimant ainsi, c'est que il y a une certaine forme Tu d'assurance. vas vivre Quand tu es généralement en totalement. retrait, et généralement même la personne en face de toi est assez en retrait, et c'est comme ça partout, même dans les milieux professionnels, hein. Si tu parles à quelqu'un et qu'il croise les bras, c'est que elle se ferme déjà un peu. Et si elle recule, c'est que là, ouf, c'est verrouillé. Donc généralement, quelqu'un C'est qui est un verrouillé. peu les bras ouverts, les épaules ouvertes, il y a déjà une réciprocité, tu vois. Et chez les femmes, généralement, quand elles se touchent les cheveux, c'est que généralement aussi. Bon, c'est l'expérience qui parle. C'est que quand, voilà, généralement, quand elles se touchent les cheveux, bon, mais voilà. Il faut aussi être parfois imprévisible. Le statut social est quand même assez important. Il faut une capacité d'aborder. Parce que les femmes, en général, l'homme parle le premier. Et si on a du mal à exprimer ce qu'on ressent, ses idées, d'aller, voilà, ça va être un peu difficile. Va déjà falloir faire un travail sur soi, je pense d'abord, tu vois. Donc, je pense que, voilà, il y a aussi de l'intuition, son histoire personnelle, tu vois, si elle est à l'écoute, son histoire à elle, tu vois, il faut être très à l'écoute. Les femmes, il faut être très à l'écoute. Il faut montrer. Donc, voilà, c'est quelques-unes des subtilités à avoir dans un jeu de séduction. Là, clairement, on peut dire que la liste est longue. Et si tu devais en garder que trois, tu prendrais les quoi? Les trois principaux, les trois les plus importants. L'humour, le look, pour moi, fait beaucoup, parce que pour moi, le look fait beaucoup dans la vie, sinon je n'aurais pas fait ce métier, et ça m'a ouvert énormément de portes, et encore aujourd'hui. Alors je dirais, et franchement, être honnête et sincère. Franchement, Honnêteté. ouais. Franchement, soyez honnête. Parce que si vous arrivez que vous jouez quelqu'un que vous n'êtes pas, quand ta femme va s'en rendre compte, vous êtes foutu, quoi. Donc soyez vous-même et voilà. C'est voilà. Quand je parle de jeu, c'est un jeu de réciprocité avec la personne en face de vous. Mais si vous jouez quelqu'un d'autre, c'est comme dans le look, hein. Si vous vous habillez comme parce que vous avez vu votre voisin, vous n'êtes pas votre voisin. Donc il faut rester soi-même. Franchement, je dirais que c'est ça. L'honnêteté, l'humour, un peu d'intelligence et de virilité, voilà, pas plus, pas plus. Le reste après, ça va se passer au fur et à mesure de l'échange, hein. Donc voilà, je dirais que ce serait ces quatre-là. Ok, magnifique. Maintenant, on va parler un peu plus des personnes qui t'inspirent, Oui. parce que tu as eu quand même un parcours assez longé de haut et de Oui. bas, avec toujours, on va dire, une certaine facilité pour découvrir le Tout à fait. style ou comprendre le style en soi. Mais quelles sont les personnes qui t'inspirent? Alors, moi, il y en a plusieurs, hein. Il y a De Fustel, Njoko, qui est, Ah, voilà, magnifique, magnifique. On lui passe le ouais, bonjour, voilà, si qui est devenu passe le vraiment bonjour. un proche. Il y a Comment tu veux? Thierry Mouellet, qui est un sartorialiste pur et dur, parce que c'est vraiment, je vais aller très vite, c'est ma mouvance. Parce que je sais qu'il y avait une question sur la sapologie, ce n'est vraiment, vraiment, Vais revenir juste voilà. après. Et donc, il y Juste a après. Guibo. Donc c'est Guibo Ok. aussi sur qui est pour moi c'est un sartorialiste français qui fait tous les Pitu Homo qui a aussi cette allez cette ce raffinement ces petites choses qui font que il est d'une élégance rare en étant très simple parce que l'élégance c'est la simplicité dans le style c'est moi j'estime on peut en faire trop. Si on nous le demande, mais restez simple. Parce que là, pour moi, l'élégance est l'essence même de la simplicité. La simplicité, l'élégance est l'essence même de la simplicité. Donc, voilà. Alors, il y a donc, De Fustel, Thierry Mouellet, Guibo. Et alors, il y a. Ils sont beaucoup. En fait, si tu prends l'art sartorial et le Pitu Homo, là, tu. T'es dans le rêve, il y a Est-ce Largos, que Alexandre Largos qui est portugais, qui habille, qui fait du sur-mesure, mais de manière, il habille beaucoup de joueurs du FC Barcelone. C'est OK. sublimissime ce qu'il fait. Et vraiment, oui, généralement, tout l'art sartorial, tout ce qui est Pitti, Homo, tout l'art napolitain, je veux dire,
le demi-mesure et sur-mesure donc de Naples, hein, c'est vraiment parce que l'art napolitain, pour te donner un exemple, c'est tout ce qui est épaule déstructurée. Donc c'est un blazer qui épouse ton épaule. Il n'y a pas de rembourrage, tu vois, ou très peu. Ok. Donc eux, c'est vraiment comme si le blazer était cousu sur toi, en fait, tu vois. Parce que le problème du rembourrage, généralement, quand tu es comme ça et que tu lèves ton coude, tu as une espèce de, tu vois, De certains, surélevé. voilà, moi je préfère que ça épouse, mais voilà, eux, c'est vraiment, et aussi, très sincèrement, les tendances féminines. Très, je regarde vraiment les Tu peux tendances. donner un exemple? Pardon? Peux-tu donner un exemple Ben, en fait, concret? c'est drôle ce que je vais dire, je sais pas si je dois les appeler des influenceuses ou c'est des Instagrammeuses et elles ont toutes over 50. Et elles s'habillent, donc Ok. il y en a une, il y a Tania, elle s'appelle Jacta slash 09, il y a Marisol, vraiment, c'est des femmes, elles ont vraiment beaucoup de goût et c'est les premières que je regarde d'ailleurs quand j'allume mon Instagram pour savoir le look qu'elles ont la journée. Et il y en a quatre comme ça qui sont vraiment, et je crois qu'elles sont copines parce qu'elles sont en Allemagne, mais je peux t'envoyer les références après pour celles qui veulent, parce que, mais vraiment, je regarde beaucoup ce qu'on fait chez les femmes dans les tendances. Je me balade beaucoup chez H&M dans ce qu'il y a de féminin, OK. dans les mangos, ici j'ai eu la chance d'aller dans les Stradivarius et des choses comme ça, parce que je trouve que c'est une mode accessible un peu à toutes les femmes. Et donc c'est vraiment un peu ces références-là. Et je suis, oui, beaucoup d'Instagrammeuses. Il y en a une que je suis, Tidia Beau, elle s'appelle. Mademoiselle Zaza, Isabelle aussi, qui a des très chers looks. Donc je regarde un peu comme ça. Mais chez les hommes, oui, c'est très très sartorial. Donc c'est tout ce qui est pitu homo, tu le fais dans Instagram et tu as tout le panel, voilà, et il y a Okay. plusieurs influenceurs qui sont là et je vais sur leur profil, je regarde ce qu'ils font, on échange avec certains et tout. Mais de Fustel, c'est une grosse grosse référence pour moi, oui, parce qu'en plus, bon, ben, j'ai le plaisir de l'avoir rencontré et on est devenu assez proches. Donc lui, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'une élégance rare. Et il y a aussi Papi Chifuaka. C'est lui aussi, c'est Hackettman, je l'appelle, parce qu'il n'a que du hackett. Il n'a que hackett. C'est OK. ouais, Papi Chifuaka. Et exceptionnel. Voilà, c'est un peu. Mais sinon, bon, il y a aussi, j'ai une boutique de prédilection à Bruxelles qui est Gamundi. Mais sinon, vraiment, allez, les quatre maisons pour moi, pour un homme qui je conseillerais Suit Supply, Okay. Boji, Gamundi, on monte encore. Il y a les trois, comment ils s'appellent? Crossword. Je ne sais pas si Oui. tu situes. Et alors, il y a la Cambre. Et évidemment, bon, bah, le summum du summum, c'est la maison de gang. Gilles aussi, très, très top. Mais en fait, il se retrouve faire du Gamondi, aller chez Gilles parce qu'il a des choses que Joe n'a pas. Et puis tu peux aller prendre ta Santoni chez Crossword Chaussures. Tu vois, je veux dire, voilà. Tellement. Et c'est pour moi, en plus, ils sont vraiment dans le même rayon. Mais vraiment, oui, Gilles Galloway, Gilles, je le connais très bien. Il a des produits fantastiques comme Calabrese, Berwich, que moi j'adore. Il fait la Torre, Tagliatore. Ses chemises sont top, il a des chapeaux, moi j'adore ses nœuds de cravate tricot, par exemple, dans ses parapluies, les chaussures. Non, vraiment, je recommande chaleureusement, oui. En termes de foulard, c'est le OK. top. Il a du top, du top. Là, on peut clairement plus pour ne pas venir te voir, pour changer ben, justement son look. Et pour ceux qui savent déjà plus ou moins leur style vestimentaire et qui veulent découvrir de nouveaux magasins, ben, on Mais vient de lister quand même en quelques fait, je magasins. vais conseiller quand on débute et le budget, par exemple. Quand on débute, hein. Ben, justement, c'est la question qui arrivait. Quel était le budget que tu mettais par mois? Dans le vestimentaire ou concernant ton look. Donc, on prend aussi les crèmes et les soins. OK. On va dire, grosso modo, ça doit tourner aux alentours de 450 euros, 500 euros.
Par mois? Ouais, 450, je dirais. Parce que bah, tes crèmes, tu ne dois pas les acheter tous les mois. Tes chaussures non plus. Mais bon, c'est surtout moi, c'est devenu du plaisir. Donc, je dis à ceux qui nous écoutent, quand on fait un bon resto, quand on fait des belles vacances, quand on va voir un chef de film, on prend du plaisir, eh ben, prenez du plaisir à vous habiller. Ça doit être un plaisir. Ça doit être. Et même ceux qui débutent, faites une liste. Faites une liste de ce que vous n'avez pas dans votre vestiaire. Faites une liste. Et voilà, comme ça, vous n'aurez pas d'achat par dépit ou d'achat par, comment dire, par frustration. Parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Et donc, vous faites une liste. Blazer bleu, j'ai pas la peine d'en acheter un deuxième, pas tout de suite. Parce que bon, des blazers bleus, j'en ai plusieurs. Mais voilà, chaussures, on fait une liste et sur un petit bloc-notes, hein, et on a, et on part, et on voilà, on a un t-shirt blanc, on n'en avait pas. Voilà, dans un vestiaire masculin, il faut minimum 5 chemises blanches, pour moi, je trouve, parce que la chemise blanche, même au premier rencard, au premier rendez-vous, au premier, c'est la chemise blanche qu'on met tous, et tout. Le blazer bleu marine, le chino beige, voire bleu, et la paire de Richelieu classique, marron ou noir, j'aurais tendance à dire, parce que c'est un peu les deux, mais je dirais plutôt marron et camel, moi, je trouve que c'est un peu plus de classe, parce que noir, c'est très facile, et c'est pas vraiment une couleur. Nous, dans le jargon, le noir et le blanc, pour nous, ne sont pas des couleurs, parce que c'est neutre, tu peux mettre ça avec tout. Mais vraiment, oui, allez, vraiment, quand je suis en forme, ouais, ça peut être jusqu'à 500 euros, parce qu'il y a des blazers, voilà, mais ça peut être aussi une ou deux pièces, parce qu'il y a des blazers un peu particuliers, mais voilà, mais allez, pour être plus basique, bon, je dirais que c'est 200 euros par mois. 200 euros Voilà. par mois. Magnifique. Ça reste un bon Ça budget. reste un bon budget? Là, Dis-moi. ouais. Dis-moi. Tu nous as parlé d'être en forme. Tu nous as dit que tu avais une grande carrière de Ouais. sportif, car tu as vraiment été touche à tout. Ouais. Mais je pense que l'élégance, et je pense qu'on est tous les deux d'accord sur l'élégance, l'attitude, c'est pas seulement du Non. vestimentaire, mais aussi c'est prendre soin de soi. Quelle est ta routine sportive Alors, et on va alimentaire? vraiment englober tout. C'est un état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est donc le mindset, c'est bien dans mon esprit, bien dans ma tête, bien dans mon corps, bien dans mon cœur. C'est vraiment moi les phases. Alors, c'est sûr que avoir une allure athlétique, bah, c'est sûr que ça va mieux donner que un physique un peu rondouillé. Mais attention, il y a des femmes qui aiment les hommes rondouillés. Donc, moi, ma routine sportive, écoute, je suis dans un club de sport et je fais ce que j'appelle de l'entretien. Moi, je n'ai pas envie d'être super costaud, ça ne m'intéresse pas. Donc, ma routine sportive, c'est 1 heure de sport par. Allez, donc lundi, mardi, sport, off Pause. le mercredi. Avec Mercredi. un cardio, tu places un cardio. Jeudi, vendredi, tu fais donc les autres muscles que tu n'as pas fait le lundi, mardi. Et donc jeudi, vendredi, tu en fais encore d'autres. Et samedi, off. Et dimanche, le petit footing, aller courir ou voilà. Tu dois combiner le cardio et puis un incontournable, la nourriture. La nourriture, c'est primordial. On peut se faire plaisir, mais alors il faut éliminer ce plaisir. Donc, moi, j'aime me faire plaisir, j'aime la bonne chère, j'aime les bons vins, mais derrière, je sais qu'il y a une séance de cardio qui m'attend de tel jour, de tel jour, des jours. Donc, finalement, c'est donc je dirais 4 heures de sport quand même bien intensif, quand même par semaine. Et puis, les 3 autres jours, tu alternes un peu avec du cardio et comment dire, de l'entretien musculaire. Mais ça ne doit pas être de la muscu. Donc, c'est en fait, si tu veux, tu fais des. Allez, moi, j'ai un programme sur YouTube que je conseille. D'ailleurs, je peux conseiller, c'est Jim Mohamed, Jim Direct. Donc, Ok, voilà, et il a des séances avec renforcement musculaire. Donc, c'est du cardio. Donc, tu as fait tes 4 séances de sport et tout. Voilà, moi, je suis chez Basic Fit. Et donc, après, tu fais ça, il fait du renforcement musculaire que tu fais à la maison. Et voilà, et on s'entretient parce que je pense que quand tu es bien physiquement, mentalement, eh ben je tends à penser que tu peux prodiguer ça et véhiculer ça et donner cette énergie positive aux gens. Voilà, c'est ça, je suis totalement c'est ma d'accord. routine. Et évidemment, bon, bah voilà, les petits pompages du matin, c'est toujours sympa.
Ouais. C'est la base, comme dirait une certaine génération. Tout à fait. Là, on arrive petit à petit à la fin. Oui. On a fait plus ou moins le OK. tour. J'ai encore besoin de toi, Dis-moi. donc tu ne pars pas tout de suite. Je vais te poser 5 questions. Tu devras répondre le plus rapidement possible. OK. Donc, on va faire un peu un fast OK. curious. Donc, on va commencer tout de suite. Thé ou café? T. Thé. Vidéo ou livre? Vidéo. Chemise ou t-shirt? Chemise. Musculation ou cardio? Musculation. Noir ou blanc? Blanc. Blanc? Ah bah finalement, tu avais une préférence pour le noir ou le blanc. Ah Donc bah écoute, magnifique. voilà, blanc. Un petit mot pour la fin, une Ouais. phrase inspirante. J'ai envie de dire, prenez du plaisir. Il faut apprendre à s'aimer, s'accepter, assumer. C'est hyper important. Et vraiment, hein, quand je dis lâcher prise, il ne faut pas le dire autour d'un dîner. Il faut le faire. Je dis aux gens, vraiment, aimez-vous. À part nos parents, personne ne nous aimera plus que nous-mêmes. Vraiment, il faut apprendre à Analova. s'aimer, à aimer. Quand vous vous regardez dans la glace le matin, dites-vous, je vais bien, je m'aime bien, tout va bien. Et si vous avez vraiment ça et qu'on le véhicule et qu'on le vit, je pense que tout va rouler tout seul. Mais il faut apprendre ça parce que après on le propage et on le reçoit en retour en plus. Donc vraiment, c'est ce que Oui. si je dois conseiller quelque chose, avant toute démarche, hein, tout de faire du coaching avec moi, Pierre, Paul, ou même aller voir un conseiller sportif, de coach sportif. D'ailleurs, mon cousin est coach sportif au Basic Fit de Braine-l'Alleud. Je le place, Tony, mais. Ça vient de soi d'abord. Franchement, Miguel, ça vient de soi d'abord. Commencez par ça. Aimez-vous. Aimez l'image que le miroir vous renvoie. Et après ça va rouler tout seul. Le temps est passé réellement plus vite et même un peu trop Voilà. vite. Et j'espère qu'on pourra encore de nouveau partager Avec plaisir. sur Et il faut le bien dire thé aux qui était gens hein, bon. que c'est toujours un renouvellement. Donc on apprend. Oui. On apprend chaque fois. Je suis Chaque complètement fois. d'accord. Moi, je suis pas, je ne suis pas un, comment dire, un précurseur. Je n'ai pas de venir dire je suis le meilleur. Chaque jour, j'apprends. J'apprends. Il y a du partage. On échange entre gens qui aiment ce métier, qui aiment cette passion, qui aiment le style, qui aiment les gens. Il faut aimer les gens parce que sans ça, ben, on va nulle part déjà dans la vie. Mais voilà, c'est vraiment toujours un recommencement. C'est voilà, remettre le métier sur l'ouvrage, des petites choses, d'apprendre. Voilà, je pense que. Si on apprend des autres tous les jours, tous les jours. Des petits... Je te souhaite une très bonne soirée. Merci À Miguel, très à très bientôt. bientôt. Merci Au pour revoir. cette tribune. Et voilà, portez-vous bien, soyez prudents et franchement, aimez-vous quoi. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous d'abord et puis propagez cet amour et partagez. Parce que voilà, la vie, on n'en a qu'une. Le bonheur, c'est celui qu'on se crée, pas celui qu'on attend. Voilà. Exactement. On est le héros de sa propre histoire, donc autant faire les Exactement. On choses. l'écrit tous les jours.